Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack, nous voici partis pour le quatrième épisode de Pokémon Cristal de Jade. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien et je suis toujours content de faire ce petit fan game là, il est trop bien quoi. C'est vraiment, ça fait, je suis vraiment pressé de vous faire des vidéos à chaque fois quoi. Et donc la dernière fois on avait un peu avancé, on avait fait la grotte boréale, la caverne boréale, on avait un peu galéré hein, enfin... On se trouvait plus nos pas. Donc j'ai pas eu le temps de faire d'XP, j'ai relancé direct. Donc voilà, on va porter nos couilles hein. Donc dans notre équipe nous avons, voilà, parce qu'on commence à avoir une équipe enfin. Nous avons un Teddy Ursa, voilà, qui est à griffe, combo griffe, les chouilles, l'arcin. L'arcin je lui ai appris parce que c'est une attaque ténèbre et que c'est plutôt pratique, parce qu'apparemment j'ai entendu dire que le champion serait de type spectre. Voilà, donc Reptincelle niveau 19, et si j'appuyais sur la bonne touche ça serait mieux. Griffe, griffe acier, flamèche, puissance cachée. Que je lui ai appris, puissance cachée évidemment. Et là, je chope aussi un petit Mimigal. Parce que j'aime bien ce Pokémon. Et puis je me disais, il peut nous être utile. Donc, il y a les 5 moins les capacités insectes. Qui, c'est intéressant d'augmenter ces capacités là. Darvenin, sécrétion, grimace et darnuée. Donc, bon. Écoutez, d'ailleurs, on va peut-être le mettre devant Tidursa. On va switcher entre les deux un petit peu. Et puis voilà, et donc on était arrivé dans cette ville, et je savais plus trop ce qu'il fallait faire. Le champion, il est allé se recueillir au temple Emaï, je crois. Il est parti avant que tu n'arrives, et depuis il n'est toujours pas revenu. Je me demande ce qu'il peut bien prendre de temps en temps, je perds patience. Moi. Donc ce qui est bien, maintenant on a une carte. Donc on va la chercher de ce pas. Carte, voilà. Utilisons la carte. Oh, c'est stylé. Ah voilà, putain, la map est grande quand même. Il n'y a pas le nom des villes qu'on n'a pas visité, c'est ça? Comment ça marche? Lumiville, caverne boréale, on vient de là. Illiona, caverne boréale, d'accord. Ça ramène là, en effet. Là, on n'a pas de nom. Ce qu'on a... Soit on n'a pas découvert, ou ils n'ont pas été modélisés dans le jeu, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller où? D'accord, c'est que les lieux découverts qu'on a sur la carte. Et là, on a un truc. Plateau indigo, on a au moins le plateau indigo d'indiquer. Bon, il y en a qui me disent que le jeu et le fan game est pas en entier, donc on verra. De toute façon, on va le faire jusqu'à ce qu'on peut tout faire, quoi. On va essayer de le torcher jusqu'au bout, même s'il est pas fini ce jeu. C'est pas grave. Bon, du coup, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Bon, lui, il fait pas rentrer, on avait vu ça. Maison du doyen, ouais, ça on avait été voir. Tiens, non. Et là, on peut pas monter là, parce que des fois, on fait des trucs bizarres, mais on peut pas. Tant, donc je suis perdu. J'aurais dû regarder l'épisode que j'avais fait dernièrement pour me rafraîchir les idées. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Route 5, on a déjà fait cette route. Je suis complètement largué déjà. Excusez-moi. On va revenir à la ville. Parce que voilà. Je suis complètement perdu. On dirait vraiment Naruto. D'ailleurs, je pense. Je vous aurais fait un petit live sur le dernier Naruto, il y a la bêta qui est sortie. Ce qui change complètement de jeu. Il y en a des villes sacrées que nous verrons, un ancien machin. Oui. On peut rien faire. Et si, attendez, on va aller voir en haut du champ de Pokémon. Parce que la dernière fois, on s'était fait complètement guaquer. Hein, on était perdu. Puis en fait, c'est qu'il y avait les gens qui étaient en haut du champ de Pokémon. Donc on va voir ça. C'est jamais. On va dormir, tiens, voir ce que ça fait si on dort dans le truc. Allez hop! Des fois il se passe des trucs quand on dort, alors on sait pas, on va essayer. Allez hop! Alors je sais pas ce que ça fait, parce que bon, si on est Pokémon, on le fait en bas, donc. On va se soigner aussi. Il faut faire qu'il faut payer. Ouais, on a payé, on a rien, ça a servi à rien, je pense, mais bon. C'est pas grave, hein. On a l'habitude de faire des conneries, hein, de gaspiller de l'argent, voilà. Fait dans ma nature. Bon, ça nous arrange pas nos affaires. Attendez, on va peut-être faire des petites courses quand même avant de trouver où ce qu'il faut faire. Donc on se prend quand même 2-3 pokéballs en plus. Voilà, on trouve pas des masses d'objets, je trouve, par terre, hein. Vraiment, j'ai pas grand chose à vendre. J'ai peut-être une vitesse plus, une connerie comme ça. Bon, il faut faire quoi? Il est parti au machin qui me dit. Il est parti où? Champion, il est se recueillir au temple Emaï. Il est où le temple Emaï? Ouais, bah tu ferais mieux de venir avec moi et m'aider à chercher où c'est. Soyez quand même sympa, enfin juste m'entraîner un peu. T'es qui toi? Hein? Tu dis que c'est mon grand-père qui t'envoie me chercher? Ah c'est bon, j'ai trouvé le truc. Tu espères pouvoir rentrer dans le temple?
Ce n'est pas la peine de te fatiguer. Ce vieux croulant est encore plus bouché qu'un ramolos. Et tu me cherches, et tu me cherchais, non? T'as qu'à essayer de me trouver pour voir. Hein? Faut faire un cache-cache. Je suis le gardien du temps, personne n'a le droit de passer. Sans attention d'un gros lecoq. Vous n'avez pas de gros lecoq? Vous ne pas rentrer ici. Vous cherchez un? Allez vite, chez loin de la ville. J'en avais pas un, gros lecoq? Il me semblait que j'en avais eu un. Ah, c'est un gros lozen que j'ai, d'accord. Ah, faut que j'essaie de trouver l'autre. Putain, mais il doit y cacher où? Oh là là, faut refaire un cache-cache, sans déconner. Là, y'a quoi? Alors, on m'a dit que dans les commentaires, on m'a dit qu'il fallait pas que je trouve le gros lecoq en faisant un larcin. C'est lui qui m'a envoyé en plus. Vous lui avez parlé et il s'est enfui. Mais si, attends, mon petit-fils est un espiègle. Cherche-le dans la ville, il doit s'être caché quelque part, d'accord. Ils ont pas des indices à me donner? Dis-moi, qui te ferait entrer ici qu'un manque de politesse aujourd'hui, machin? Ok, alors il y a une mamie gentille, une mamie méchante. Bon. Alors il est dans la ville. Déjà, on sait qu'il n'y a pas besoin de sortir la ville pour le trouver, mais il va falloir un peu chercher. Il n'y a pas d'ennemis de cachette. Ah, mais il est là. Bah alors, on a peur? Ça fait penser qu'il y a un artichaut que fallait courser dans les versions or, argent et cristal. Il est passé où, cet enfoiré? Là, c'est chez qui, là? Qu'est-ce que ça veut dire, toi? Ma femme ne s'intéresse qu'aux baies et aux dresseurs. Elle ne consacre même pas un petit instant pour moi. J'avoue, t'es... il a une tête de bec perdue. Coucou, t'intéresses aux dresseurs? Bonjour, t'intéresses aux baies? Toujours j'en cultive, j'en distribue. Je me suis surtout donné aux dresseurs talentueux. Reviens me voir quand tu auras plus de... Je... De toute façon, c'est pas ce qui me passionne, mais dans le jeu, ça fait pas de mal. Il a eu la difficulté. Bon, putain, il est où cet enfoiré? On joue à cache-cache là. Ah. Mais ça va aller? D'accord, alors il faut le couillonner, le mec. C'est un peu comme le canard tichot. C'est marrant ce petit clin d'œil. Donc c'est un dresseur. On va passer par là. Faut le coincer. On peut pas. En fait, faut que je le fasse sauter là et qu'après je fasse le tour et je le coince là. Ah putain, il pourra plus bouger. Oh putain, je crois que j'ai trouvé. Hop, on y va à la Naruto. Non mais vraiment, vous trouvez pas qu'il a un air à Naruto là? Ouh. Enfin, tous les ninjas de Konoha quoi. Allez hop, et là on va faire le tour comme ça. Voilà, voir. Non, c'est par là. Non. Et là t'es coincé? Ah merde, non! Ah, il est coincé là, c'est bon. Hein? Comment tu as fait pour me piéger ici? Tu as retenu tous mes mouvements? C'est pas possible, t'as triché. Mais même si tu m'as coincé, tu es encore loin de m'avoir battu. Ah, ça y est, maintenant avant le combat. T'as les mecs arrogants jusqu'au bout. Donc, bruit pour chercher une petite bouteille d'eau. Oh, c'est un gamin! Il est stylé! Les sprites sont bien faits, hein. Tarsal! Oh! J'aime bien. Ça tombe bien parce que Mimigal, il a des attaques insectes. Comme Darnué, et ça fait mal au psy, ça. Oh non, Mimigal rate pas ton attaque. T'as, par contre, moi je suis insecte poison. Alors, poison, ils aiment pas ça. Oh putain. Ce qui est abusé, c'est qu'il est insecte. Et ça devrait pas être très efficace. Ça devrait être juste efficace normal, quoi. Allez, hop, ça va faire mal là. Oh oui. Et voilà. Stylé. Vous avez battu le dresseur Josh. Voilà, on a un peu des thunes. Ok, tu m'as battu. On peut rentrer maintenant? Je me suis fait priver de sortie et tout ça à cause de toi. Bah ouais, alors, qu'est-ce que je veux? Il m'a manqué de respect. Je vous remercie de m'avoir ramené mon petit-fils. J'espère qu'il ne vous a pas trop fait courir, ce petit con. Oui, j'aime bien rajouter un petit con. Je vais tâcher de me présenter. Je suis Oshi, le doyen de ce village. Vous m'avez rendu un fier service. En contrepartie, je vous dois hein, aussi. Auriez-vous un quelconque souhait? Si je puis me permettre, ce jeune dresseur désire pénétrer le temple. Ça fait longtemps qu'on m'a pas pénétré moi aussi. Pardon. Vous devriez lui accorder le droit d'entrée. Certes, mais il ne faut pas oublier une chose. Il y aura tout de la personne à qui nous devons affaire. J'estime que nous devrions lui faire passer quelques épreuves. Et c'est mamie casse-couille, elle. Hein, afin de juger de son honnêteté. Qu'en pensez-vous, Oshi? Votre opinion sont toutes les deux correctes. Mais je ne puis ajouter un quelconque argument. Mais il demande de savoir quel genre de personne s'apprête à pénétrer le temple.
Le temple Emaille est un lieu sacré de prière, de sérénité, où reposent nos anciennes traditions. Jeune dresseur, pour entrer dans le temple, il vous faut le gros lococ. C'est un objet sacré que nous vénérons depuis des lustres. C'est une fabrication et transmise qu'au plus sage de la génération suivante. Je pourrais vous en fabriquer un, mais cela est devenu impossible depuis que nos ressources ont été pillées. Il ne nous reste plus que nos anciens gros lococs. Je vous en donnerai volontiers un, à condition que vous passiez quelques épreuves. N'ayez crainte, il ne s'agit rien de bien compliqué. Sans des bonnes mesures, les relever, bah allez. Bien, tout est prêt, mettez-vous en place, je vous en prie. Qu'est-ce que ça va être? Des combats? Vous allez vous battre contre 5 fois de suite sans aucune interruption. Mais putain, mais non! Mais je suis même pas soigné en plus! Bien, que les duels commencent. Oh putain, je suis même pas soigné. Oh la vache. C'est ton premier défi, bonne chance. J'aurais dû me soigner comme un con. Parce que là, personne m'a soigné. Oh putain, on va galérer de ouf. Fouinette. Et voilà. On va peut-être en lancer un petit darvenin, si ça peut l'empoisonner. Boule armure, ça va être casse-couille. On va continuer avec Darvenin. Écoutez, ça va nous en faire XP. Après, si c'est encore des niveaux comme ça, ça peut prendre un niveau con, ça va. Ah, il est une B. Ah, ils sont chiants. Bon, on va devoir soigner. Hein. Parce que j'ai envie de le battre avec Mimigal. Oh putain, d'accord. Sympa. On va être empoisonné, enfoiré. Ça t'apprendra. Les hyper potions, on connaît pas. Hein. Ah, il est fort. Hein. On va essayer d'arnuer, tiens. Ah, coup critique. Je sais pas si c'est toujours deux de suite ou si ça en fait. Ah, ça peut attaquer plus. C'est un peu comme Bokomogriffe et compagnie, quoi. Ah, il a raté son attaque. Bien fait. Attends, c'est le jeu stratégique contre un Fouinette, quoi. Mais bon. Il est plus rapide, mon Mimigal. Il est pas mal, ce Mimigal, hein. J'aime bien ce Pokémon. Migalo aussi est vachement stylé. Bon, on va changer. On va prendre Teddy Ursa. Allez, on entraîne un peu tout le monde. Hein. Il faut. Alors, Fouinette, ok. Combo griffe. Eh ben, ça fait mal, hein. Ah oui, Teddy Ursa, t'es bon. T'es bonne, quand t'es une fille. Bon, bref, enfin, ça va être mal interprété. Oh putain, j'en ai marre. Alors, cool. Bon, premier combat, c'est plutôt bien passé. Bon, on se bat toute la famille. T'as battu ma soeur, pas mal. Place au deuxième défi. Ils sont quand même de gamins dans cette famille. C'est une cousinade ou ici ou quoi? Ah merde, j'ai un peu de Caleb. Out, out. Bon, Mimigal, on va pas le laisser face à lui. Pas bonne idée du tout. On mettra un Celt. Parce que là, je crois que t'es dire ça va se blesser vu qu'il est plus faible. Ouais. Tu fais pas très peur, hein. Avec Grogrou. Flamèche, un petit flamèche des familles. Hop. Oh putain, ça fait. Je suis recruté sur le one shot. Ouais, il se fait estimer. Quand ça te baisse mon attaque? Oh là là, les B. Oh, vous êtes pénibles, ils ont tous des B. Putain, ils jouent tous strat ici, c'est pénible. Allez, coup critique. Merde, même pas. Alors ça sert à rien, t'es un PNJ. Qu'est-ce que tu vas faire une stratégie par rapport à mes attaques, hein? Je sens même que tu vois les attaques, qu'est-ce que tu peux contrer? Tu peux changer, ah, regarde Pokémon. Ah, niveau 14, cool. Au tout, on va changer. On va mettre Teddy Ursa. Parce qu'il est cool, Teddy Ursa. Choudou. Ça, si tout le monde peut level up, c'est encore mieux. Oh putain, vous me faites chier à faire rugissement. Ah, oh, je baisse mon attaque. Ah, ça va aller moins vite. Agaçant. Voilà, ça fait. Oh, ça fait des attaques nulles. Comment ça, deux fois? Allez, combo griffe. Putain, mais non! Ah, il va encore baisser mon attaque. Je le sentais. Du coup, regardez, on fait que dalle. C'est stressant. Il a joué vraiment stratégique. Que quoi, les rugissements, les mimiqueux, les jets de sable, ça peut être casse-couille. Hein. Ah, c'est bien, là, il est vénère. T'as vu, trop bien, est-ce que tu fais 5 fois? C'est 5 fois à chaque fois? Oh là 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 là, ils sont bien casse-couilles avec leur B. Alors, on mange des fruits. Putain, il a quasiment toute sa vie.
Elle fait ça, oui, regarde, machin. Là, j'ai vu la bande-annonce de Détective Pikachu. Ça a l'air marrant, j'ai envie de le prendre. C'est un concept original. J'aime bien la voix du Pikachu en anglais, là. Alors, je sais pas, peut-être quand j'appelle ça sera mieux, mais la voix anglaise me fait marrer avec une grosse voix grave. Donc, c'est con. C'est peut-être pas du tout un jeu comme ça, mais au moins, il tente des trucs. Donc, moi, ça m'enjaille bien, le Détective Pikachu sur la 2DS. Je vais peut-être le prendre. Après, j'ai rien pour vous faire des vidéos dessus, vous enflammez pas. J'ai rien pour filmer ma 2DS. Après, si un jour je trouvais un truc pas cher pour faire des jeux 2DS, ça serait bien. Parce qu'en plus, sur la 2DS, on peut aussi faire des jeux DS et machin, je peux vous faire des trucs quoi. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. On verra, peut-être un jour. Si j'ai plus de YouTube monnaie. Ah, ça vous fâche. Hein. Bon, je suis le défi numéro 3. Attention, je suis bien plus forte que mon petit frère. Non, je sais, vous êtes compréhensible. J'ai une bonne communauté, je suis content. Je suis bien sur ma chaîne. Pas besoin d'avoir guère plus de monde. Bon, je suis content d'avoir plus de monde. Mais après, c'est pas mon objectif. Même si bon, voilà. Putain, ça peut être une bonne idée. Tout donc, on va y reptincelle. Ils sont tendus les combats. On va faire griffe acier sans augmenter l'attaque. Oh oui, ça fait mal. Et si vous pouvez être niveau 20, reptincelle, ça serait pas dégueu. Oh putain, ils nous font chier. Ils sont tous stratégiques. Ils sont chiants. Ça sert bien si vous augmentez l'attaque. Oh putain, saloperie. Allez, une petite flamèche pour finir. Ou une puissance cachée, tiens. Boum! J'augmente mon ki. Elle était dure, ça, tu peux le faire. Moi, t'as reste 20 PV. Ça va pas être facile. Mais bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais une baie. Ah, il utilise sa baie, c'est cool. Pour une fois que c'est à mon avantage. J'avais oublié que j'avais mis une baie. Oh putain, il baisse l'attaque. Relou. Avant, je râlais jamais sur le truc. Parce que bon, j'avais toujours. Je bourrinais dans les vieux jeux, ça marchait. Et là, ça a vraiment son effet, les rugissements, les saloperies comme ça qui baissent les stats. Mais par contre, clairvoyant, c'est complètement con de faire ça. J'ai presque plus de combo griffe. Enfin, ça pue la défaite. Putain, t'es dur ça? Non. Bon, de toute façon, ça va faire que dalle mon attaque. Là, ça fait que dalle. Oh, faut chier. Oh là là, mais non! Oh, ils me font rager. Oh, je rage. Oh, ils me font chier avec leur baie. J'espère que ça va vous filer à la diarrhée de bouffer tous les baies comme ça. Hein, c'est des prunes. Des pruneaux, vous allez chier. Oh, une chiasse. Oh, mais rien, ça enlève que dalle. Oh, c'est horrible. Oh, putain, j'ai pas la patience. Je change. Faire flamèche et puis prendre ma repuissance cachée. Non, c'est... Putain. Vous me faites chier. Vous me faites la griffe facile, allez. Ça va, les strats comme ça, c'est pénible, c'est agaçant. Hop, est-ce que son. Je sais plus si quand tu changes, après les stats reviennent à la normale. Je sais qu'on a toujours le poison, le machin, malgré qu'on change, mais là, est-ce qu'on a toujours en lore tout de suite hein. Si ça fait mal ou pas. Ouais, c'est bon, ça revient à la normale après. Ouf. Ah, ça par contre, sa défense ça fait chier. C'est comme si baissait mon attaque, ça revient au même. C'est même plus chiant. Et combo griffe. Alors, du coup, j'hésite, je vais pas faire l'arsen parce que s'il y en a qui a un gros loco, on m'a dit que si je l'obtiens comme ça, je fais bugger le jeu. Donc, j'écoute vos conseils hein, dans les commentaires. À niveau 14, c'est bien. On est plutôt pas mal là. L'équipe est plutôt propre. Je suis content. Voilà. J'en profite pour boire un peu d'eau, ça m'a donné soif. Voilà. Il faut boire de l'eau, les gens. T'as bien réussi à battre ma soeur, bravo. Je suis le frère cadet de la famille. Je suis désolé, mais ta route devra s'arrêter à moi. Oh. Alors, d'habitude, j'aurais dit oui, mais c'est pas avec des houtoutes ou des fouinettes que vous allez me faire peur. Mais vu que là, c'est casse-couille, et ben voilà. Oh, fouinard, ça rigole plus. Si je fais un petit Darvenin. Oh putain, il va me le battre là. Mon Mimigal, non, je t'aimais bien, Mimigal.
Saloperie. C'est dur ça, go! Putain. Combo griffe, allez. C'est quoi ce chatouille? Oh non! Mais non! Oh, c'est vénère. Ils sont. Oh, mais en plus, je rate! Oh, je suis agacé! Bon, Reptacel, il va lui, leur tous leur péter la gueule. De toute façon, j'ai plus avoir de Pokémon. Hein. Bon, j'aurais dû faire un peu d'XP. Hein. Ça, c'est galère. On galère contre des Pokémon pas ouf, quoi. Et c'est les Funards. Sinon, j'aime bien un Funard. Il est pas mal. Oh putain, il me fait chier. Écoutez, on va faire des coups de puissance cachés. On va voir, putain, une bonne puissance cachée. Bon, si ça fait mal ou pas, on va voir tout de suite. Ça fait mal. Putain, il me fait chier, hein. Ah, tu m'emmerdes. Ah, tu m'agaces. Putain, c'est vraiment des combats relous, hein. Mais bon, au moins, il y a des difficultés. On va y galérer, on va y rager. Voilà, super potion. Ah, oh, bah voilà, je crois que c'était une B. Mais non, super potion, évidemment. Putain, ils ont fait ils ont fait des PNJ intelligents, quoi. Sans déconner. Je dis. Oh! Enfin, je me soigne là. Parce que ça pue la défaite là. Allez, tu brûles, bien fait pour ta gueule. Je vais me soigner en attendant, tu vas prendre des coups. Voilà. Putain, j'ai que dalle. Oh, on a même plus de... on a même pas de super potion ce stade du jeu. C'est une horreur. Allez! Allez! Mais bien sûr! Moi, je vais me soigner moi aussi. Hein. Pourquoi il y a des super potions? Moi, j'en ai pas trouvé. Qu'est-ce que c'est, scandale? Quoi, cette famille? Il deal ou quoi? Bon, heureusement qu'il est brûlé, comme ça il prend quand même des dégâts, je perds pas de temps. Et il y a combien de super potions, mec? Parce que là, ça commence à devenir pénible. Voilà, bien fait. Brûle. Oh putain, il m'agace. Je connaissais pas cette attaque, elle est vraiment pénible. Ah, il y a déjà tout, c'est rigolo. Et ils sont galères les combats. Putain. Il va vraiment falloir que je fasse des séances d'XP. Je le dis, je l'ai pas fait là, c'est pas bien parce que regardez la galère. Bon, après, c'est bien de voir galérer, c'est pas marrant quand on gagne trop quoi. Allez, one shot. Voilà, merde, merci. On va level up, on sera déjà mieux. Putain, je dois remettre Teddy Ursa et soigner Reptincelle quoi là. Brouillard. Est-ce que ça pourrait nous être utile? Non, allez. Non. Je sais pas. Je bourrine. Oui, Reptincelle n'a pas appris brouillard. Allez hop. Noirfang, putain carrément Noirfang. Ouais, et on peut perdre hein, là, hein, je vous le dis, hein, ça va pas être facile. Putain, j'ai pas envie de perdre là. Putain, c'est galère, c'est pire que faire le conseil des 4 là. Allez, fais genre rugissement ou connerie comme ça là, là je veux bien. Ah, il fait pic-pic enfoiré. Bon, je peux me soigner. Voilà, comme ça moi mon Reptincelle est full vie. Choc mental, oh putain il a choc mental. Mais non. Bon, on va tenter griffe acier pour espérer augmenter l'attaque. Putain ça, non mais c'est la galère absolue. Je sais plus si c'est le 5, j'ai même pas compté les combats, c'est le 5ème ou quoi. Voilà, il est B. Il est une diarrhée, une chiasse. Vous m'énervez. Oh, ça lui a rien de redonner, dis donc. Ça a redonné que dalle, ça a bugué ou quoi. Bref. On va s'en réjouir. Hein. Choc mental, tu fais chier. Ça m'a fait pas grand chose. Hein. Putain, je suis confus. Moi. Allez. Oh là là là, qu'est-ce qu'il m'a. Mais quoi, c'est des restes ce qu'il a. Ah, c'est le gros lecoq. D'accord. Ah, c'est à lui qu'il faut pas que je le vole. D'accord. Non, mais Reptincelle, c'est pas le moment d'être con. Putain, c'est pas possible. Et moi, je vais l'utiliser le gros lecoq quand il va me le donner. Hein. Parce que c'est comme les restes en fait. Ah, elle est plus confus. Allez, finis-le lui. Oh la galère. S'il a le gros lecoq, c'est que c'est le dernier combat alors. J'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas compté. Pourtant, j'ai l'impression que j'en ai pas fait tant que ça. T'as réussi à me battre, bravo, tu es une réussite très douée. Mais félicitations, il nous a remporté vos 4 victoires d'affilée avec brio. Il vous reste qu'un dernier match à livrer et le gros lecoq sera pour vous. Ce match vous opposera à. Oh, mais attends, j'ai jamais gagné avec le Reptincelle, c'est à mort là. S'il te plaît, grand-père, laisse-moi le faire. Je vais me battre contre Vince, j'ai une revanche à prendre. Je vois que tu ne manques pas d'audace. Vince est un dresseur confirmé, tu ne pourras pas lui résister.
Cependant, quelque chose me dit de te laisser aller. Sois, va et affronte Vince. Montre-moi ce que tu veux. Merci beaucoup, grand-père. Je te promets de faire de mon mieux. Vince, tout à l'heure, tu m'as battu parce que je n'étais pas préparé. Mais cette fois, je suis prêt et je te ferai pas de cadeau. T'es sûr qu'il a évolué son tarsal? Oh, putain. Ben, on va jouer avec Griff Assis pour faire physique parce que c'est... Ouais, c'est bon, il est toujours tarsal, je l'ai pas évolué. Donc, 17. Bon, direct Griff Assis. Oh putain, bon allez, c'est pas grave. Ça peut augmenter l'attaque. Normalement, le physique, il devrait craindre les attaques physiques. Oui. Putain, les gens, j'ai eu peur. J'ai dit, je vais le perdre ce combat. Et non, ça va qu'il. Voilà, c'est un Pokémon qui est pas évolué et qui craint beaucoup les attaques physiques. C'est voilà, l'expérience à jouer. Et oui, mon ami, j'étais dans la merde, mais mon expérience a fait que j'étais meilleur que toi. C'est tout. Quand même, connais les bails. Je ne sais pas quoi dire. Tu t'es fait one shot. Tous tes frangins étaient plus forts que toi, mon gars. Tu as gagné. Toutes mes félicitations, Vince. Vous avez remporté tous les défis. Approchez par ici, s'il vous plaît. Pour féliciter d'avoir remporté tous les défis, je vous offre ceci. Tâchez d'en faire bon usage. Regarde en poche objet. Votre aventure sera parsemée d'embûches. Aucun doute possible. Mais cela ne doit pas vous faire faillir. C'est votre devoir. Ok, nickel. Toi, tu vas me donner un truc? Vous n'avez même pas été capable de te battre. Je ne suis qu'un nul. Que tu aies battu mes petits-enfants ou non, tu ne mérites pas le respect de mon doyen. Mais tu es une connasse, toi. Quelle lueur imposante tu as là, mon garçon. La jeunesse, c'est une période. Un verre, un gâchement, il te manque. Bon, allez. Alors, du coup, on va l'équiper après. Je pense qu'on va l'équiper genre à Tidur. Ça, je pense, je gros le coq. Et bon, on va voir s'il faut quand même le donner avant. Là, on va soigner. Hein, parce qu'on est dans la merde. On va acheter des objets. C'est pas facile. Hein. Dur ce jeu, putain de merde. Au moins qu'on arrête Tincelle, quoi. Vous avez entendu, Pokémon sont super formes. J'aurais eu Carabas, j'aurais eu Morsure, ça m'aurait bien aidé aussi. Mais bon, on est pas mal là quand même. Je suis le gardien du temps, personne n'a le droit de passer. Seule obtention d'un gros lecoq va être à progresser. Oh, c'est bien un gros lecoq que je vois. Vous pouvez passer. Temple émail. C'est beau. Bienvenue dans ce temple. Tu trouveras dans un lieu béni, tâche bien de tenir. Bon, du coup, on va équiper le gros lecoq. J'ai tenu qu'il ressort les PV en frappant l'ennemi. Ah, mais c'est intéressant. C'est en frappant l'ennemi qu'on récupère. D'accord, j'ai pas compris. Mais pour déduire ça, c'est parfait. Oh, j'ai une pépite que j'aurais pu vendre. Bon, attendez, je vais acheter des objets quand même. J'ai pas été acheter d'objets. Mais je vais vendre la pépite. Tu me laisses passer? Merci. Merci, papy. On va vendre la pépite, on va s'acheter plein de... Non, vendre, j'ai dit vendre. On va acheter des potions, des pokéboules. Alors, on va acheter des potions. Parce qu'il y en a besoin, on a que dalle en plus. Des pokéboules. Bon, on est plutôt bien. Peut-être des réveils parce que ça a l'air d'être des réveils, des anti-brûles parce que vu qu'il y a des anti-brûles peut-être moins, mais des réveils parce que des Pokémon spectre, il y aura hypnose, hein, un truc comme ça. Et une tour comme ça, il y aura des Pokémon spectre forcément. Et on va se prendre une corde sortie si ça nous casse les couilles, voilà. Pas de repousse parce qu'on a besoin d'XP de capturer. Si on peut capturer un Pokémon spectre dans l'équipe, ce sera pas de mal. Je rebois un coup, mais je crève de soif aujourd'hui. C'est les émotions. Ah bon, alors. Tintin. Allez papy. Le gardien, personne n'aura de passer. Oh putain. La vache, il faut que je le remette, que j'enlève à Tidior ça. Oh putain, vous faites chier les mecs. Oh putain, j'ai pas. Je me suis dans les touches, d'accord. Eh ben putain, bah allez, Tidior ça, objet. Prendre, voilà. Allez, oui. Allez. Oh c'est bien gros lecoq, vous pouvez passer, d'accord, allez hop. Bon bref. Salut. Bon alors, tu sais quoi me dire. Bienvenue en temple, tu trouveras dans un lieu béni, tâche de bien te tenir. On va essayer. Salut les dresseurs élus, peuvent continuer ici. Je suis navré, mais tu vas devoir recommencer le chemin. D'accord. Oh, il y a Team Rocket, dis donc. Qu'est-ce que vous faites là? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire là? Si tu savais. Alors, abo, putain.
partie plouche. Est-ce que il va pouvoir faire quelque chose, Mimigal? D'ennui, ça va faire que dalle. Putain. Ligotage, tu fais chier. Ah, oh, l'attaque la plus casse-couille du jeu, quoi. Quand mourir, moi aussi, je vais faire une attaque casse-couille. Enfin, c'est ligotage, je comprends jamais le principe. Ça refait des attaques tout le temps, ça s'arrête jamais. Là, il y a des moments, tu t'y attends pas. Tendon, tendon. Alors, je vais lui remettre à dire ça, le Mimigal. Non, on garde. Parce que quand il va évoluer, que ce sera un Ursaring, ça va faire mal, hein, Teddy Ursa. Hein. Ursaring, justement. C'est vrai qu'il fait coucou le Cornèvre, c'est rigolo. Tududum. Non, niveau 15, ça c'est bien. Allez hop. Hein? Mes compagnons vont me manger. D'accord, c'est quoi ça? Morceau d'étoile. Ça, ça fait des sous. Donc, on va soigner. Et on va te redonner le gros lecoq, du coup. Parce que... c'est bien, ça. Le gars combo griffe, on peut se régénérer de ouf, quoi. Ah, ça lui a redonné sa B. D'accord. De coup, on va donner une... oh putain, un Pokémon. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on peut capturer? Fantominus. Niveau 9, c'est faible. Peut-être avoir mieux. Hein. On va fuir. C'est impossible. Comment ça? Au niveau 9, c'est faible. On peut avoir mieux quand même. Au niveau du niveau, attendez, c'est le plus faible du truc. Et on le prend, Fantominus, bien sûr. On réfléchit pas. Ça bosse dur ici, alors du balai. Bah ouais. Et tu étais en train de te toucher la vite. Alors, type louche, 3 points d'interrogation, point d'exclamation. Mais c'est rapti. Putain, on a rien pour Mimigal à se mettre sous la dent. Hop, c'est pas grave, il prend un peu d'XP quand même. Avec le gros lecoq, ce qui est bien, c'est vraiment, on va faire des combos griffes, ça va nous régénérer de ouf, quoi. Gros lecoq combo griffe, ça doit faire une. Ça doit être monstrueux, quoi. D'avoir tout de suite d'ailleurs. Eh, t'as loupé ton attaque chiante, hein. Non, mais t'es dur ça, non, on aurait pu faire un truc trop cool. Oh là, il reçut ultrason. Oh putain. Oh mais non. Alors le truc, il y a 60% de chance que ça touche, quoi. Ça m'a touché. Et voilà, ça voulait infliger des dégâts. Mais ça serait pas marrant, sinon on rigolerait pas dans les commentaires, hein, hein, hein. Putain. Bon allez, combo griffe là, on va se régénérer toute notre vie comme ça, je suis sûr. Allez, s'il te plaît, sois pas con. Mais non. Mais non. Mais non. On va perdre toute notre vie. Putain. Oh, ça m'agace. On a même pas de rappel dans ce connard de jeu. Oh. Je rage. Putain. Alors, en plus, je dois retourner en centre. Enlever l'objet, parce qu'après, je vais pas pouvoir rentrer. Remettre l'objet. Allez, dégage. Voilà, merde. Non, parce que moi je sors le du lourd, hein, sinon. Non, je pète la gueule, direct les mecs. Allez hop. Enfin, quand on aura Dracofeu, ça sera très bien. Dans le jeu, il faudra minimum ça, quoi. Allez hop, badaboum. Bon, on va re-soigner parce que une nouvelle loupe forte, il ça va nous servir, puis j'ai envie de l'entraîner, quoi. Putain, il se fait connement confusé là. Si tu trouves un cristal, tu me donnes et tu décampes. Non, je vais vous faire foutre. Hein? Il y a un dresseur là? Wouah! C'est Vislar ça, bien joué. Les petits gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. La team Rocket a toujours des discours et les gamins, machin, puis. Et que des gamins qui leur cassent la gueule. Oh, c'est quoi? Ah beau. T'as vu Mimigal, il peut faire que dalle là. Bon. Tantant.
pas bon. Cette attaque, elle fait mal rien que de l'avoir, quoi. Elle griffe acier. Normalement, acier, ça fait mal au poison. Critique. Enfin, non, c'est pas... enfin, c'est type acier qui résiste, mais... En fait, il y a des types qui résistent, mais qui font pas forcément très mal. Il y a des types qui font très mal, mais quand ils prennent... Enfin, vous voyez le délire, c'est bizarre. Non, on va pas changer, hein. On a rien pour contre un sablette. On continue griffe acier, hein. Pas chier, griffe acier, moi c'est plus stylé. Bon, heureusement que Reptincelle est là. Faut bien qu'on ait un Reptincelle fort. Hein. Toi, tu m'as fait peur, toi. Tu n'es qu'un petit insolent, tu vas pouvoir nous défier. Ben, regarde la preuve. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Bon, est-ce qu'il a un bon niveau, lui? Niveau 9, non, ça va pas. La flemme de te faire XP, toi. Elle peut avoir des niveaux un peu meilleurs. T'as rencontré des trucs qui avaient à peu près d'un niveau potable avant, je me rappelle. Allez, s'il te plaît. Dégage, merci. Allez hop. J'aurais des rappels, ça serait bien, mais j'en ai pas. C'est de Pokémon, j'ai que des Pokémon, oui, bien sûr. Alors pour ceux qui me disent non, je fais pas d'accélération parce que c'est pour moi. Même si j'en crève d'envie, ça dénature tout le jeu, c'est pas regardable de faire des accélérations. Je trouve que ça gâche tout le jeu. Ça, voilà, ça enlève tout le charme du jeu, ça fait trop envers du décor, moi je suis pas pour. Moi. C'est pour ça que j'en fais jamais dans mes vidéos. Allez, on va lui reprendre son objet. L'agre, le coq, machin. Allez hop. Allez, machin, gardien, temple, le gros coq m'habite. Allez hop, c'est parti, tu peux passer. Voilà. Bon, on lui redonner à Tidur ça. C'est bien. Joli temple. Ah oui, j'avais un objet parce qu'en fait c'est la capacité ramassage, d'accord. Bon, j'aurais rien eu de net et dire ça finalement parce qu'il peut retrouver des objets rares. Niveau 10, ouais, c'est un niveau de plus. Écoute, on va quand même essayer de le capturer, allez. Il est un niveau de plus que. Ça peut être utile un Fantominus. Bien avoir un Pokémon de plus dans l'équipe, on va pas cracher dessus. Là, j'ai juste Pokéball, au moins, c'est ce qu'il faut. Je crois que j'en ai moins que ça. D'accord, on aura essayé. Oh putain, déjà ils attaquent à ce couille. Ouais, j'ai dit qu'il fallait prendre des réveils, j'ai bien fait. Ouais, c'est lui capturé comme ça, on peut y arriver, j'en suis sûr. Non, bon, d'accord. Allez, on tente une dernière fois, sinon on l'affaiblit un petit peu. Hein. Bon d'accord, bon on va l'affaiblir. Hein. Un jeu de Pokémon. Bah non. Oh putain, ce serait bien si on pouvait le capturer comme ça, parce que là on est emmerdé là. Faudra faire un smash blick pas possible. Bon d'accord. Ça veut pas. Chouille. Allez, réveille-toi. J'ai la flemme de faire un réveil, machin, pour. Pour me refaire hypnotiser derrière, si je le sens comme ça. Putain, mais réveille-toi, l'autre il te l'échoue de partout là, c'est quand même, c'est presque un viol là. On lèche pas Mimigal pendant qu'il dort, c'est dégueulasse. Mimigal se réveille, darnué, allez. Ça fait que dalle, putain. C'est pas très efficace. Ouais, bah ouais. Bon allez, j'ai perdu 3 points de vie, on sait jamais, ça peut peut-être faire quelque chose, je sais pas. Oh, d'utiliser une Super Ball pour un Fantominus niveau 10, pas déconner. Et merde. Oh, bah de toute façon, de me faire des pieds, hein, j'ai pas des attaques de folie. Hein. Bon, on change de Pokémon. Ouais, il va le one-shot, j'ai rien en fait pour lui faire mal. Et ils vont, les autres, ils vont le one-shot. Donc, on reste au pif, hein. L'autre Flamèche, ça va le one shot, il a 3 niveaux d'écart. Et l'autre Félarcin, c'est ténèbres, ça va lui faire mal. Ça va lui péter la gueule. Bon, on va essayer d'arnuer. Oh putain, mais tu auras tes attaques, Mimigal, on va pas s'en sortir. Allez, hypnose. Il y a une casse couille sur Fantominus, hein. Je crois que je vais pas le capturer du tout. En plus, je pense que dans le jeu, vu que bon, c'est un truc, voilà, un truc sur PC, c'est un émulateur.
Je suis sûr qu'il peut évoluer tout seul en... pas besoin d'échange pour Spectrum avec Toplasma, donc. Je pense, hein, je suppose. Au bonheur. Ah, voilà. On t'a capturé. Ce Pokémon est constitué seulement de gaz. Il peut renverser un éléphant en 2 secondes. Juste en l'enveloppant de son corps gazeux, d'accord. Il y a des animaux dans Pokémon, c'est là le débat. Bon, qu'est-ce qu'il a de beau, lui? Il a une bien tête d'enfoiré. Brave. Lévitation, ignore les attaques sol. Toujours bien, hypnose, les chouilles d'épis, d'accord. Il n'y a pas des attaques de folie, hein. On va remettre un peu devant, voir ce que ça donne. Bon, écoutez, hein. Bonjour. Les intrus ont profané ce lieu pour venir à leur fin. La divinité du temple est en colère, je le sens. D'accord. Oh, c'est joli. Enfin, c'est joli. Bah ouais, c'est joli. J'aime bien les couleurs comme ça. Bien le violet et le orangé. Enfin, jaune orangé. Si on fait. Les chouilles qui sont un Fantominus. D'accord, plus rapide que moi, évidemment. Allez! Super efficace! C'est vrai que ça fait mal, hein. Ouais, fait dépit, j'ai de l'ouïe là. Baisse de 5, c'est pas grave, j'ai de l'ouïe. Et paralysé, nickel, ça c'est bien. Voilà! Bah écoutez, pas utile, hein. S'il grimpe vite en niveau, on va quand même soigner tout ce beau monde. Parce que je sens qu'il va pas y avoir des combats faciles. Bon, on va réveiller aussi Mimigal. On va d'abord le soigner. Voilà. Réveille. Je pense qu'après, il faudrait que je les mette un peu au niveau en off là. Parce que ça va pas le faire sinon. Bon, ça va pas avancer. Putain, on a tous à combattre. Ce temple est rempli de petits cristaux. C'est avec les cristaux qui étaient petits. Bonjour. Sablette, go! Ah, il va être balèze. Peut-être pas utiliser Fantominus tout de suite, on va mettre Teddy Ursa. Et combo griffe, hein. Ah, il a amélioré ses défenses, enfoiré. On peut l'avoir quand même. Ah, il va être plus galère à battre. Tac, tac, tac. Ah, il coup critique. Ouais, on l'a battu, nickel. T'es dédié, ça commence à faire le café. Je pense que ça va être le second de mon équipe. On a toujours un Pokémon, on a un starter, vraiment, on a toujours le second qu'on utilise la plupart du temps. Et je pense que ça va être lui, ce second. Toujours là, son bras droit, on va dire. Le bras droit de notre starter. Je pense que ça va être dur, ça, hein, tout au long du jeu. De par son type et ses stats, et voilà. Je suis deux fois, oh, dommage. Ça fait quoi, grand monde, déjà? Ouais, mais t'auras pas le temps d'attaquer, c'est con. Voilà. Allez, salut. Voilà. Bonjour, au revoir. Mais bah, tu t'y plouches. Ah, bon, encore sort d'études un peu, c'est bien. Ah, bon. Je ne sais même pas à quoi ils nous serviront. Bah, oui. Putain, merde, je fais tout ça pour rien. Et ce n'est pas pour les gosses ici. Putain, c'est bizarre, il n'y a pas de passage. Histoire de passer ailleurs, je sais pas. Enfin, ça a débloqué quelque chose de tous les battre, ces enfoirés. Est-ce que les choux ça peut faire mal à Fantominus? Ah, nous sera-t-il, je veux dire. Ah, ça l'a au moins paralysé. Peut-être qu'on peut le battre avec Fantominus. Ah, on va essayer, tiens. Oh merde, ça va me faire mal par contre. Pas bon. Ah, nous sera-t-il, j'aurais pu en capturer un parce qu'il aurait pu avoir une morsure, ça me serait utile dans le jeu. Pas très efficace. C'est étonnant qui peut faire mal. Non, allez. Ce serait bien parce que je pense qu'il peut lever up vite au moins 12. Ça peut être pratique. Ah, ça par contre, ça peut me tout one shot. Hein.
Pas bon, pas bon, pas bon. Ah, pas bon. Putain, fais chier, tant pis. On aurait essayé, hein. Je pense que Fantominus, il aura un entraînement en off. Puis c'est tout. Bon, le... Attends, après, le mieux, c'est ça. Ça, quand même, Teddy Ursa que soit fort. Mais vraiment, vous êtes utile tout le long du jeu, hein. Donc, Medina, non, on va pas changer. On va faire combo griffe, ça va faire mal. Allez hop. J'ai de sable. Ah, fais chier, ça c'est agaçant. Agaçant. Ton, 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 ton. Voilà niveau. Presque, on est presque niveau 16. Tu n'as rien à faire ici, dégarde plus, je suis pas gentil. Bon. Écoutez, on peut pas, revive Fantominus, on va pas refaire un tour sur Pokémon pour Fantominus, on va déconner. Je me méfie des mioches, surtout à ceux de ton genre. Oui, t'as vu les autres jeux précédents, comment ta team a fini. T'as regardé mes let's play, c'est ça. Cornèbre, bon. Niveau 15 quand même. Genre, on va level up grâce à ce combat, ça c'est cool. Allez hop. Ouh, dis donc, ça fait mal ça. Ah, ça y est, on va voir la combo. C'est-à-dire, faut le soigner, mais. Ah, oh, mais ça rapporte que 1 chaque fois, mais bon. Ça fait le café. Ça commode bien, combo gré, justement. Oh merde. Putain, l'enfoiré. Putain, ah, c'est rageant. On va même pas level up, quoi. Foiré. Mais ça fait mal poursuite comme attaque. En quelle année ça fait aussi mal ça, cette attaque toute pourrie? Putain, je rage. Putain, vous me faites chier les gars. Déjà c'est mioche. Je peux s'empêcher de fourrer un épée, vous me faites chier, t'es manqué de servir à rien, on perd tout le temps de toute façon. Bon. Et comment je fais pour accéder là-bas? Bon, il n'y a pas autre chose de plus intéressant que des Fantominus quand même. On va se soigner, hein. Comment on accède à tout ça là? Putain, il n'y a rien pour accéder. Bon, allez, on va se casser, on va soigner. Ah, mais putain, c'est agaçant de se faire interrompre. Ah là, quand on veut se casser, on va pas y arriver. Hein. Attendez, vous savez quoi? Oh, coucou, je peux prendre la sortie. J'ai failli tenter une corde sortie. Bonjour, Badigne, connard. Salut, dresseur élu, machin. Bâtard, je suis en train de niquer tous ceux qui foutent le bordel chez toi. Et c'est comme ça que tu me remercies? Bah, dégage-toi. Bon, alors, on va soigner. Ton, 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 ton. Allez, Pokémon, son Pokémon. On va durer un petit moment la vidéo, mais c'est pas grave. On va pas quitter maintenant quand même. Bon, alors on va enlever le gros lecoq. De toute façon, au pire, on va lui enlever parce que c'est pas ouf. Hein. Et avec sa capacité de ramassage, il y aura toujours des objets sur lui. Donc, c'est vrai que de trouver des trucs genre pierre-feu, tout ça, ça va être super utile quoi. Et c'est sa capacité est sympa quoi. Bon, j'aime bien. On rappelle, c'est les Zigzatons, c'est qu'il avait souvent ça. Oui, gardien, temple, droit de passer, grelot m'habite. Allez hop, c'est parti. Bon. Reprenons les choses sérieuses. Comment on va là-haut? Et là, il y a un truc. Ah, je crois qu'on pouvait passer. Ça aurait pu, hein. Peut-être comme ils font des petites feintes dans le jeu, des petits trucs cachés. Ils sont amusés, hein. On fait les coquinous, hein. Et là, on va faire l'heure 100, on va le one-shot, on va le level up. Non, mais putain! Oh là là! Ce jeu va me casser les couilles! Oh, c'est pas vrai. C'est un truc de fou. Oh là 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 là! Ah, je suis énervé. Ah, je dis pas que c'est pas bien, mais ça m'énerve. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Perdre du temps, quoi, c'est affolant. Le dépit. Allez, Larsin, one shot le. Putain. Même pas. Même pas de one shot. J'ai appris. C'est vraiment une attaque de merde. Putain, hypnose. Ah,
Mais non. Mais c'est pas vrai. Ah mais oui, et puis l'animation, c'est important. Allez hop. Non. Mais non. Non. Oh, mais putain de chiasse. Putain, mais c'est pas possible. J'ai utilisé tous mes réveils contre un fantomiste de merde. Bon putain. Oh, je suis... Waouh, comment il m'énerve. Comment il m'énerve, ce Pokémon tout pourri. Allez, réveille-toi, connard. Et là, je gâche tous mes réveils à chaque fois, là. Ah putain, allez, allez, allez. Allez, allez. Ah non, mais c'est terrible. Hein. Juste pour remonter niveau 16, la galère. Ce jeu me fait rager, hein. Il est bien, mais il me fait rager, hein. Moi, je vous le dis. Allez. Voilà, connard. Putain, j'ai plus de réveil quasiment maintenant, putain. Ça, c'est un truc de fou. Le champion va être relou, je sens. Bon, et là... Attendez, il y a un truc là-bas. Ah, ça va être l'objet qu'il faut prendre là-bas pour... D'accord, rien comprendre. Bon, je te combats plutôt, je te fais la gueule. Niveau 12, ah, voilà, il y en a un niveau 12 maintenant. Comment ça fut impossible? Il va m'hypnotiser. Mais non, mais... Mais putain, mais... Ouah, ouah, je vais rage kit. Oh putain. Ah, c'est Fantominus de merde. Bon allez, hop. Moi je me commence à avoir plein de cul de ces conneries là. Ça va quoi. Putain, mais sans déconner. On peut même pas se barrer des combats quoi. Non non. Allez, Flamèche, pète lui la gueule. Voilà, au revoir. Non mais sans déconner. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas ragé comme ça. Bon allez, le dernier réveil, hein, voilà, oh, c'est trop intéressant. Comment ça? D'ailleurs, je vais mettre le reptincelle devant, parce que... Moins, il fera pas endormir par les Fantominus tout pourris. Bon alors, j'aurais dû prendre une repousse. Alors là, il y a un objet, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis censé faire quoi, là? Bon, je vais là-bas. Bonjour. Oh, il y a un interrupteur ici, bah oui. D'accord. Oh putain, il y a un truc d'un système d'interrupteur de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, et ça va, Fantominus. Allez, dégage. Boum. Au moins, on va être niveau 22, on va être bien, Crêpetincelle. Bon, on a activé un truc, quoi, je sais pas. On a activé ma bite, je sais pas. Ouais, interrupteur. Zut, tous les autres interrupteurs. Oh putain, la Major Bob. Y'a rien ici. D'accord, c'est tous les jaunes alors. Je sais pas. Qu'il ne ferait pas. D'accord, donc y'en a un pas loin. Ah non, il peut mettre d'autres types secs que Fantominus quand même, parce que c'est un peu relou. Ah, ça c'est l'épisode qui fait péter les plombs, ça. Interrupteur ici. Zut, oh non, bah, d'accord, il y a un sens. Alors, lui, en premier. Fantominus, arrête. Alors je les bats les Fantominus parce que regardez s'ils me font le coup que je peux pas fuir et que j'ai hypnose derrière, j'ai pété un plomb. Donc voilà, Reptincelle il est bas. De toute façon j'ai de l'huile pour le Flamèche, j'en ai plus. Il sera plus rapide. Bon là il y a rien. Interrupteur ici, qui ne ferait pas. Ok. Peut-être aller à celui-là de l'autre côté. Oh, un polichombre. Oh, c'est se capturer. Allez hop. Voilà, cool. Eh bah, enfin d'autres trucs un petit peu. Plus son évolution est stylée. La corne de Polichambre arrive à capter les sentiments des gens. Il adore se nourrir des sentiments tels que la jalousie et la malice. Non. Bon, c'est cool. Voir ce qu'il a. Bon, on a un peu de monde dans l'équipe.
Pour au moins switcher déjà, même s'ils sont pas au niveau. Insomnia, on peut s'endormir. Putain, ça c'est bien. Oh, mais on peut même le mettre devant du coup. Que les Fantominus, il va leur péter. Il prend pas ça à endormir. Oh, c'est bien ça. Oh. Bon, on va essayer l'autre interrupteur qui est en bas. Putain, c'est pénible. Alors, on va essayer tout de suite Polichon. Bon. En plus, il a sabotage, ça peut faire mal. Super efficace. Ah, ça fait mal. Bon, ça fait pas des one shot. Bah, en vrai, il est niveau 8. Hein. Voilà, boum. Pas mal, pas mal du tout. Je sens que ce Pokémon va être pas mal. Oh putain, il level up en plus. On va le soigner. Il va être bien lui, je le sens bien. Il est plus pratique que Fantominus au niveau de ses attaques. Il peut pas s'endormir, ça c'est bien. Il y a une équipe assez originale du coup. Oh, il y a un interrupteur. Qui ne le ferait pas. D'accord. Et il se passe quoi maintenant? Il y a un ordre et je capte pas ce qu'il faut faire. Et le temps passe, la vidéo va durer une heure. Oh, c'est pas grave, hein. Ça faisait des vidéos qui durent une heure avant, hein. Pokémon. Allez hop, one shot. Oh putain, il fait des one shots. Et là, ça commence à me plaire. Tu me plais. Bienvenue dans l'équipe. Tu as rempli le contrat. Est-ce qu'on a débloqué quelque chose? Putain. Par contre, c'est affolant. J'aurais dû prendre une repousse. Bah, on va faire sabotage. Waouh, il est fort. Il va être bien lui dans l'équipe. Lui. Son évolution est stylée en plus. J'ai oublié le nom par contre. Ça fait vraiment Pokémon qui fait peur quoi. Interrupteur est déjà activé. Bon, putain, les combats là c'est pénible. Hein, je vous jure. Bon, on progresse, mais putain, j'aurais dû prendre une repousse, ça s'active tout. T'as même besoin de faire 3 pas qu'il y a des combats quoi. Que visiblement, c'est que les piliers jaunes qu'il faut. Qu'il ne ferait pas. Ah, voilà. Bon, on a un objet là, on va le prendre. Nous sommes de retour, plus fort que jamais. Putain, on s'en sort. Hein. Je sais pas comment je fais pour en sortir dans le jeu, putain, C'est un truc de fou quoi. Ouais, ne sert à petit, ça peut le faire. Pollution de course est fort quand même. On va changer, on va prendre Reptincelle. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Là, j'ai bien fait parce qu'étonnement, ça me ré one shot. Voilà. Medina, ouais, on va prendre Teddy Ursa. Bon, on va au moins finir ce tour, hein, je suis désolé, mais. C'est le bon vieux épisode à l'ancienne qui dure, mais bon, je peux pas couper, même. J'ai préféré faire des fois des épisodes pas très longs, mais. Bon, voilà, des fois on peut pas couper, hein. Ça gâche un peu l'épisode de couper. C'est rageant. Ah, puis c'est bien le let's play à l'ancienne, on regardait pas le temps. Hein, bon. Pas faire que des petites vidéos. On est là pour tailler dans le gras aussi. Rien à foutre du système de YouTube actuel. Faut faire des petites vidéos courtes. Combo griffe. Voilà. C'est toujours l'objet intéressant là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ici sont bouchés. Avec tous ces cristaux, ils auraient pu être très riches. Une perle, d'accord, cool. On a tout pour avoir des thunes en fait dans le jeu. Potion. Et on soigne tout le monde, hein. Même Reptincelle, avec un pôle de cul, ça me stresse, vous savez très bien. Oh, il a récupéré 3 points quand même, c'est important. Putain, il y avait Anana parlé, elle veut bien nous combattre à tous les coups. Allez hop, sabotage. S'en fout, sabotage c'est plus fort.
Oh putain, il m'a paralysé l'enfoiré. Ta pollution est vachement plus fort Fantomius en fait, hein, franchement. Enfin, il y a des attaques même plus intéressantes. Bah ça, il y aura des gens, il y aura des Pokémon qui vont venir dans l'équipe, d'autres qui vont repartir, hein, je vous le dis. Hein. Je gaspille toutes mes potions, oui, mais c'est... j'aime bien être bien. Antipara. Puis il progresse vite, c'est cool. Moi j'aime bien quand ça. L'unique détenteur de SS Flash est le sage au sommet de ce temple. Si tu lui demandes, il pourra raconter les gens du temple. D'accord, bon allez, ça va être là-haut. C'est stylé. Vous allez nous filer tous les cristaux de ce maudit temple. Inutile de vous opposer. Nous sommes bien plus forts qu'il y a 5 ans. Nous ne nous laisserons pas vaincre aussi facilement. Futilité que tout ça est. Moi vivant, vous n'emporterez pas le moindre fragment de cristal. Monsieur V, enfin V Mystère. Comme ça, c'est vous les individus dont on parle. Votre convoitise, ah on l'avait déjà rencontré lui. Pour les cristaux du temple, il louche. Vous dites être plus fort qu'il y a 5 ans. Serait-ce une coïncidence? L'uniforme me donne une impression de déjà vu peut-être. Nous sommes déjà rencontrés. Voilà un nouveau mystère qui ne tient qu'à moi de découvrir. Vous nous faites perdre notre temps. Vous avez tout intérêt à nous obéir, sinon. Quoi, un enfant ici? Comment a-t-il fait pour venir ici? Vous hommes dorment ou quoi? Vous deux, vous occupez des du champion et son acolyte. Moi, je m'occupe de cet enfant. Elle prend à branler. À 3 Pokémon. Ouais, bon. Polichon, on va pas faire grand chose. Ouais, on va. Non, pas sac. Là, pour l'instant, on va prendre Étincelle. Et après, on prendra Tédiursa. Ouais, on va griffacier. Hein. Eh bien, augmente tes attaques, c'est pas grave. Sablero, carrément. Non, parce que Tidiorcé, il va jamais tenir contre un Sablero, franchement. Ah, niveau 17, on aurait pu. On va faire puissance cachée, tiens. On refait puissance cachée. Quand même une bonne petite équipe, l'enfoiré, là. Alors qu'un Sablette, ça serait pas dégueu dans notre équipe, hein, franchement. Non, on change pas. Alors on garde l'étincelle, c'est son heure de gloire. Je ferai de toute façon de l'XP après cette vidéo pour le champion, parce que... Enfin, pas des reptincelles, mais au moins des autres Pokémon, quoi. Au moins de Teddy Ursa et Polichon, je pense. Ils vont beaucoup me servir dans l'équipe. Voilà. Ça, c'est bien. 23. Ah, je crois qu'il va prendre un truc sympa. Comment ai-je pu perdre face à ce môme? Vous n'êtes qu'une d'une faiblesse embarrassante. Vous avez vraiment cru pouvoir nous battre? Même si nous avons perdu, notre mission n'a pas échoué. Nous avons tout de même pu extraire quelques fragments de cristal. Retraite immédiate. C'est tellement stylé ce truc. Diantre, ces malfrats sont parvenus à leur fin. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire des cristaux à présent? J'ignore, tout cela est l'empreinte de mystère. Néanmoins, nous avons pu stopper leur projet louche. Je tiens à vous remercier, Ebel, d'avoir protégé notre patrimoine culturel depuis des générations. Sans oublier ce dresseur qui a joué un rôle. En parlant de ça, qui est-ce? C'est une connaissance que j'ai connue il y a peu. Son nom est Vince. Vince s'avère déjà être à son âge un sacré dresseur. Qu'est-ce que c'est impressionnant, Vince, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Diantre! Tu as fait tout chemin pour m'affronter. Tu as beaucoup de ressources. Sois, rien que pour toi, je vais retrait à l'arène. J'espère bien t'y revoir. Quand sorti. Je crois que je vais faire pareil. Je te remercie encore une fois de nous avoir aidés. Annick m'a beaucoup parlé de toi, Vince. Ton ambition de devenir dresseur, tout cela va de soi. Tu as un potentiel remarquable, je l'avoue. Mais face à Ebel, je te suggère bien de préparer Ebel. C'est ce qu'on va faire. De mon côté, je vais essayer de résoudre ce nouveau mystère concernant ces types. On se reverra, cela ne fait aucun doute. Yolman. Je dois remettre à celui ou celle qui parvient à gravir ce temple la CS qui lui permettra d'éclairer les endroits sombres. Ainsi, pour récompenser tes efforts et de ta bravoure, je te t'offre ceci. Ah, CS Flash. Ça ne serait pour une grotte à la con.
Bienvenue dans le temple, Emma, ici que repose une ancienne divinité vénérée dans ce temple. De même, acceptes-tu que je te conte la légende du temple, Emma? Allez, ouais. Bien, écoute très attentivement cette histoire. Il y a longtemps, très longtemps, vivaient sur cette terre trois Pokémon. Ces étranges funestes créatures avaient les pouvoirs élémentaires de l'eau, du feu et de la nature. Ouais. Ces pouvoirs leur avaient été conférés dans le but de faire régner la paix, ce qui fut fait. Néanmoins, la situation passa rapidement au drame. Ce magnifique don du ciel leur fit perdre la raison. Ils se mirent à brûler, à inonder et à dévaster cette terre qui les avait été confiée. Oui, cette terre les avait vus naître. Ils la détruisirent. Ils la détruisirent afin de faire valoir leur force conquérante. Ils ignorèrent les prières et les rituels sacrés effectués à leur insu. Seule la destruction compta à leurs yeux. Désespérés de la situation, les humains et les Pokémon se mirent à implorer les cieux. Ceux-ci écoutèrent leur imploration et leur promirent que justice sera faite. Réconfortés par cette nouvelle et rescapés attendirent, ils attendirent patiemment la venue du sauveur qui viendrait les secourir. Et il vint. Ce dernier s'opposa à l'égoïsme, effréné des monstres et les défia avec vigueur. D'accord. Bienvenue machin, d'accord. Et après il y a le mec qui... Non. Soit. D'accord, je suis reparti comme ça, d'accord. Et c'est marrant parce que l'histoire, on prend le corps sorti, on va se faire chier. C'est marrant parce que pour une fois, c'est devenu, c'est les dresseurs sont mal vus, là c'est des Pokémon qui ont été égoïstes. C'est assez rigolo. Oh bon. Je peux pas utiliser ici. Et l'autre il a utilisé une corde sortie. Et là je peux pas. Putain. Ce jeu veut me faire chier. J'adore les yeux de Polychambre, c'est tellement stylé. Bon. Corde sortie. Je ne peux pas. Alors je peux pas utiliser de corde sortie. Alors ça me sert à quoi? Oh le jeu là, il y a un souci là. Putain, faut se retaper tout le chemin. Ça c'est pas normal ça. Eh les gaz, allez chier dans la colle. Allez hop. Comme ça au moins ça le fait level up. Et il nous sera utile dans l'arène lui avec son attaque ténèbres justement. Putain. Ah mais je rage de ne pas avoir dit de corps sorti, c'est vraiment gonflant. Hein. Sabotage. Boum. Voilà. Bon au moins ça va être pas mal cette zone pour faire de l'XP. Pas moi qui soit niveau 18, Polychambre était dur ça. Ça serait bien. Moi je compte sur eux parce que même Miguel, je sais pas si je vais en faire. Oh! Carrément un Skelinox comme ça. Ok, il aime. Il est niveau 9. Alors que. Il évolue. Bien plus tard. Son... Ah non, non, non. Bah non, Skelinox il a pas besoin de. Bon, on va le prendre. Hein. Dans un paquet de Pokémon Spectre dans l'équipe. Bah voilà, nickel. Bon, on a une équipe de type spectre, c'est quand même cool. Kinox devient invisible pour se faufiler plus facilement derrière ses proies. Il a le pouvoir de traverser les murs. Non. Alors qu'est-ce qu'il a? Mais c'est cool. Tant qu'il capture des trucs sympas. Oh, stylé cette petite animation. Lévitation, ok. Gros yeux de ténèbres. Entrave. Pas mal. Bon, je crois que Polychambre sera plus sympa, mais... C'est peut-être pour nous obliger à parler au mec là. Salut les dresseurs illus, je suis navré, vous voulez faire le badge quoi. Bon, on va se casser. Et on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il était costaud cet épisode. Hein. Il était trop bien. J'ai ragé mais il était bien. On va soigner. On a une sacrée équipe. Hein. On a 6 Pokémon même là, je crois. Et ouais, elle est full l'équipe. Bon. Bon alors. On va arrêter l'épisode là. Hein, parce qu'il a duré bien assez longtemps. Je sais pas combien de temps il a duré, mais c'est monstrueux. Mais bon, au moins, il y a de quoi faire. Ils ont quand même bien fait leur jeu. Bon, il y a des petits... Un peu galère par moment, mais... C'était sympa. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à commenter, comme d'habitude. Dites-moi votre avis, vos astuces pour le jeu. Ce que vous pensez de la petite équipe que je commence à me construire. Voilà, voilà. Ce que vous avez pensé de l'épisode. Vos conseils, parce que c'est toujours très utile. Et puis voilà, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, les commentaires, le ci, le là, la petite clochette. Et surtout, prenez soin de vous, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, allez, salut à toutes et à tous !